Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai encore plein de choses à vous dire, comme la dernière fois, sauf que la dernière fois j'ai oublié de vous dire des choses. Et puis bah là je vais certainement encore vous oublier, mais c'est pas grave, hein, on refait un autre vidéo blabla, hein. En tout cas j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer mes créations du mois de février. Mais avant toute chose, bah, je vais faire un peu de blabla. Alors je m'excuse d'avance parce que à chaque fois je mets 3 plombes à vous répondre à vos commentaires. Je suis désolée, ils sont faits pas exprès. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus une minute à moi, c'est le grand bordel, il s'est passé des choses dans ma vie, ça ne vous regarde pas, mais ça m'a... Voilà quoi. Je passe les détails, enfin bref, en ce moment c'est l'anarchie, c'est plus possible, c'est... Enfin bref, voilà, on s'en fout. Enfin bref, je suis désolée à chaque fois de mettre 3 plombes à vous répondre, mais je vais essayer de faire mon mieux maintenant, parce que ça fait... j'abuse un petit peu quand même, hein. Puis c'est ma devise, j'aime pas vous laisser dans l'indifférence, si vous me mettez un commentaire, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Enfin moi, je vois les choses comme ça, hein. Voilà, bref, chacun voit, c'est midi à 14, midi 14h, c'est quoi l'expression? On s'en fout, vous êtes prêts. Ensuite, je sais pas si certains d'entre vous ont activé mais la petite cloche sur ma chaîne YouTube. Mais si ceux qui l'ont fait, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, mais bon. Vous pouvez la désactiver. Franchement, moi j'ai désactivé toutes les cloches que j'avais. C'est de la grosse connerie, les cloches. Faut activer les notifications. Non, c'est n'importe quoi. Moi j'ai désactivé tout le monde et je vois toujours les vidéos de tout le monde. En fait, ça c'est comme sur Instagram, ils avaient dit faut activer les notifications si tu veux voir la publication des autres. C'est de la grosse connerie. Et surtout que j'en avais ras le cul parce que j'avais mon téléphone qui sonnait toutes les 5 minutes en me disant un tel ou un tel vient de poster une vidéo ou un tel et un tel vient de poster une photo sur Instagram. Moi ça m'a saoulé vite fait. Donc j'ai tout désactivé et je vois toujours tout le monde. Donc les cloches, c'est de la grosse connerie. Moi je vous dis ça, après vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Moi je suis pas là pour vous obliger, je suis pas là pour vous dire abonnez-vous, je suis pas là pour vous dire remettez des pouces bleus, j'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour vous donner des ordres. Enfin bref, moi c'était juste pour vous dire voilà, les cloches c'est de la grosse connerie. C'est mon point de vue, c'est tout. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je tenais vraiment, mais alors vraiment à remercier Stéphanie, que à chaque fois j'ai envie d'appeler Virginie. Je suis désolée si à chaque fois j'appelle Virginie. Hein. C'est parce que son pseudo c'est Nini. Et Nini, c'est ma cousine Virginie. C'est pour ça, en fait, j'ai fait, voilà. Mais non, c'est bien Stéphanie. Donc je tenais vraiment à te remercier pour ce sublime cadeau. Tu m'as dit que tu m'enverrais un cadeau, mais j'imaginais franchement pas ça, quoi. Et le hit gun que tu m'as envoyé en cadeau me sert énormément. Ça change tout, ça change la vie. Oh j'adore, je te remercie énormément Stéphanie pour ça. Je te remercie, j'ai mis assez je crois. En tout cas un très grand merci, merci beaucoup. C'est trop adorable. Et je voulais aussi remercier les d'autres personnes qui vont se reconnaître. Des créatrices vraiment plus talentueuses les unes que les autres et qui ont osé commander sur ma petite boutique. Je me sentais minable, je me disais mais pourquoi elle commande chez moi alors qu'elle peut faire 1000 fois mieux. Ah, je suis très touchée les filles, je vous remercie énormément de passer commande chez moi parce que, bah parce que pour moi vous pouvez faire 1000 fois mieux, donc que vous m'accordiez votre confiance. Pfiou. Je suis franchement je suis scotchée, je suis bouche bée. Hein. Alors un très grand merci à vous les filles, ça me fait énormément de plaisir, ça fait très chaud au cœur même si je suis carrément gênée. Je m'excuse, enfin je m'excuse tout le temps en fait, c'est dingue. Hein. Merci tout le temps, je m'excuse tout le temps, bah excusez-moi d'être polie, merde. Je me rends compte que je dis beaucoup de gros mots, c'est pas bien. Je me rends compte que je suis vachement familière aussi. Je vous appelle tous par vos prénoms, je vous tutoie tous, même ceux qui sont plus vieux que moi, c'est pas grave, je vous tutoie quand même. C'est pas bien, oh, c'est pas bien. J'espère que ça vous dérange pas, hein. Moi je suis comme ça, hein. Si je vais pas par quatre chemins, je te dis tu et je te appelle par ton prénom. Et voilà, sauf ceux que je connais pas encore. Et puis parfois ça m'arrive de me tromper, hein. M'en voulez pas, hein. Et j'ai pris une décision très importante. Attention, sortez les mouchoirs. Je vais fermer ma chaîne YouTube dédiée au DIY. Parce que bah, c'est un flop total. Donc du coup les DIY je les ferai ici, que ça vous plaise ou non, bah, c'est pareil. Bon malheureusement j'en ferai moins que prévu parce que normalement ici c'est une chaîne dédiée aux bijoux. Donc il y a forcément des DIY que je ferai pas. Tant pis pour vous. Hein. ou tant mieux. Du coup, je sais pas, vu que ça vous intéresse pas plus que ça. Enfin bref, je ferai des DIY ici, mais j'en ferai pas énormément, hein. J'en ferai vraiment pas beaucoup. Et donc voilà, juste pour vous dire que je vais fermer ma chaîne YouTube dédiée au DIY. Ma 3e chaîne YouTube, quoi. Pourtant, vous êtes sans abonnés.
une centaine d'abonnés, mais que dalle quoi. Enfin bref, on s'en fout, allez. Je vous montre tout de suite les créations du mois de février. Je pensais pas que j'en avais fait autant. Parce que vu que j'avais pas beaucoup de temps à moi ces derniers jours, je pensais pas que j'en aurais fait autant quoi. Donc je vais commencer tout de suite avec les bijoux sans polymère, parce que comme ça c'est fait, on s'en fout de ces bijoux là. Hein. Donc c'est parti, alors, j'ai fait deux petits colliers. Donc il y en a un sur le thème de la nature et l'autre avec des petits engrenages, tout simplement, sans prise de tête. De boucles d'oreilles avec mes petites fleurs lucides que j'aime tant, je les adore ces perles en forme de foulard, mais les perles à facettes, les perles toupies et les perles lucides en fleurs acryliques, ce sont mes perles préférées, j'utilise quasiment que ça maintenant, mais bon j'utilise quand même les autres de temps en temps, ça m'arrive, voilà, on s'en fout hein. J'ai aussi refait deux petits bijoux de sac, donc un sur le thème de Alice au pays des merveilles et l'autre sur le thème printemps, parce qu'on arrive bientôt au printemps, c'est ma saison préférée. Ouais, j'adore. Et pour terminer, là j'ai lancé une nouvelle collection, ce sont les bijoux pour les foulards. Des foulards assez fins parce que les bélières ont un diamètre assez petit, mais voilà, c'est quand même des petits bijoux pour les foulards. Moi je m'en suis fait un pour moi, il faut que j'en fasse un aussi pour ma mère. Donc, j'ai envie de vous les montrer, cela on s'en fout. Enfin bref, et voilà. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai fait un nouveau tuto technique et donc il s'agit de Lightning Magic. Et il y a Rosane qui a déjà posté sa vidéo. Alors elle m'a dit que c'était pas grave, mais moi ça me gêne quand même. Mais bon, je vous la posterai, hein, y a pas de souci. Hein. Je m'y suis pas appris de la même façon qu'elle de toute façon, mais bon, ça me gêne quand même. Mais c'est pas grave, je vous l'ai fait, je vous le posterai. Donc voilà, en attendant, voilà les petits bijoux que j'ai fait et tout est emmêlé forcément. Donc voilà les bijoux que j'ai fait avec la technique de Lightning Magic. Là, il y en a déjà trois comme ça. Un comme ça avec la parure complète et des boucles d'oreilles, voilà. Et pour finir, les derniers. Ce sont ceux-là. Et voilà, donc en tout, dans cette technique-là, je vous ai montré trois versions différentes. Pour faire Lightning Magic, comme ça vous prenez la version que vous voulez.
mais vous verrez au moment venu. J'essaierai de vous poster ça le plus rapidement possible. Ensuite, comme je l'ai dit, et bah c'est bientôt le printemps. Et donc pour le printemps, et bah qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est plein de petites fleurs. Moi qui aime les fleurs, et bah voilà. Donc pour commencer, j'ai cette petite rose bleue sur une estampe. Voilà, j'ai changé. Pourquoi on fait tout le temps des roses roses ou des roses rouges? Bah voilà, moi j'ai voulu faire une bleue pour changer. C'est rigolo, hein? Voilà. J'ai refait une petite orchidée. Sur, pareil, du bronze. J'aime bien les orchidées. Ensuite, une petite parure avec des fleurs de pivoine. J'adore les fleurs de pivoine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en plus. La dernière que j'avais faite, elle était énorme. Et donc là, j'ai voulu en faire des toutes petites. Ensuite, pour aller, comme la dernière fois, j'avais fait un bracelet et un collier, et bah là, pour aller ensemble, j'ai fait la bague et les boucles d'oreilles puces rose. Voilà, des petites roses roses. J'ai aussi fait une rose noire, parce que pourquoi mettre tout le temps de la couleur? Il y en a qui aiment bien les choses sombres. Donc voilà, pour changer, j'ai voulu faire une rose noire. Ensuite, j'ai un petit porte-clés avec un cupcake. Je vous l'avais dit, hein, je sais pas si vous en souvenez, mais je m'étais lancé le défi de faire une gourmandise tous les mois. Et ben voilà, là c'est un petit cupcake que j'ai voulu essayer de faire un peu, mais bon, je trouve pas que c'est bien réussi, dans le thème un peu shabby chic. Voilà. Et pour finir dans les fleurs, j'ai fait le bracelet rose. Des roses roses encore, avec des mes petites feuilles lucides, des perles nacrées blanches et des perles à facettes roses. Bon, c'est en rose et blanc avec du vert pour les feuilles. Voilà. Ensuite, je vous montre ces deux-là. Ils sont pas encore montés parce qu'il faudrait vraiment que je les ponce avant. Parce que là, du coup, les effets que j'ai voulu faire à l'intérieur ne ressortent pas du tout. Donc, il faut que j'arrive à les poncer. Mais j'ai été dans mon magasin de bricolage juste à côté de chez moi et ils font pas de feuilles à poncer. Enfin, si, ils en font, mais du super grain, super gros grain quoi. Je peux pas acheter ça, ça va niquer mes créations. Donc, du coup, faut que j'aille dans un autre magasin, ça me saoule. À moins qu'ils en fassent en Carrefour, faudra que j'aille voir. J'ai pas regardé à Carrefour ou à Leclerc. Ils en font là-bas? Faudra que j'y voir. Sinon, bah, j'irai voir dans un autre magasin de bricolage. Mais dans celui qui est à côté de chez moi, il n'y en a pas. En fait, ensuite, j'ai fait ce bijou-là avec la technique du sit and slice. Avec un dégradé de noir jusqu'au doré. Et du coup, le noir, il a changé de couleur grâce au doré. Voilà. Sur de la chaîne dorée. J'ai utilisé pas mal de chaînes dorées. Enfin, pas mal, 3 fois. Pour changer d'habitude. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est un peu dans le style géométrique. Avec un silkscreen par-dessus. Une nouvelle planche que j'ai achetée chez Cultura. Sur le thème ethnique. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'est dans le style géométrique. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Avec toujours le même silkscreen sur le thème de l'ethnique, j'ai fait celui-là tout en transparence. Je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin bref, il est tout transparent. Et le silkscreen par-dessus, c'est de la peinture blanche. Quoi. Voilà. C'est blanc et transparent. Sur le thème de l'ethnique, entre guillemets, hein, il y a celui-là. En bronze. Non, c'est cuivre. Cuivre, ouais, la film au cuivre et du silkscreen doré sur de la chaîne dorée, du coup. Voilà, il y a un petit mica shift au milieu. Donc, ensuite, voilà. Dans les autres techniques, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, c'était du moku mégané. Donc là, j'ai mélangé moku mégané, silkscreen et mica shift. Puis ça m'a donné ça. Et à l'arrière, j'ai aussi fait du mica shift pour faire la semelle. Voilà. Et toujours dans le Mika Shift, donc c'est avec les restes de l'autre pendentif, j'ai fait celui-là en entier, quoi, tout en moku mégané. J'ai dit des conneries, j'ai dit Mika Shift, non. C'est moku mégané. Ouh, je vais y arriver. Et j'ai utilisé que du... des pâtes avec du mica. Donc il y a la fimo argentée, la fimo rose gold, je crois. Et j'ai utilisé du translucide avec de la feuille argentée. Et du coup, ça a donné plein de relief. Moi, j'adore, je trouve ça super joli. Et les petites boucles d'oreilles avec pour que j'offre en cadeau pour l'achat du collier.
Ensuite, voilà. Avec la technique du Mokumigane, alors là par contre, je suis dégoûtée. J'ai pas pu le monter malheureusement, j'avais fait ce plastron. Il a cassé à certains endroits. Et je me dis peut-être que, heureusement, parce que je trouve qu'en fait il est trop chargé. Ça fait trop de couleurs. Donc du coup, les pièces qui sont cassées, et eh ben, je vais les changer pour les faire juste en doré. Parce que les semelles à l'arrière sont toutes en doré. Donc du coup, là je vais faire mélanger Mokumegane et un Mika Shift en doré. Enfin, je sais pas ce que je vais faire encore exactement. Et bref, voilà, il a cassé, je suis dégoûtée. Je sais pas, ouais, du coup. Je suis dégoûtée, franchement, ça me saoule de devoir le recommencer, quoi. Donc soit je vais être motivée pour le refaire, ou soit il va partir à la poubelle, ou je vais garder les pièces qui sont encore. Qui sont encore bonnes. Enfin bref, voilà, j'ai voulu tester le Mokumegane comme ça, avec plusieurs couleurs. Je voulais quelque chose vraiment qui... paf, pète à la gueule. Je pensais pas que les couleurs allaient aller ensemble. J'aime bien, mais c'est trop chargé. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, il y en a peut-être qui aiment, hein, j'en sais rien. Il y en a qui vont détester parce que les couleurs sont trop... Ouais, j'ai voulu tester, voilà. Moi, j'aime bien faire des tests, ça m'amuse. Et pour aller avec, bah, il y a la petite bague. Et les boucles d'oreilles. Voilà. Ensuite, ce pendentif-là, je l'ai réalisé grâce à la technique des Pearl Swarm. Et voilà, je l'ai fait en rose et mauve, celui-ci. Rose et violet. Toujours avec la technique des Pearl Swarm, j'ai voulu tester pour faire l'effet Galaxy. Hop là. Voilà, j'ai voulu faire un effet Galaxy comme ça. Avec la technique des Pearl Swarm. J'aime bien, c'est rigolo, ça change, hein. Ensuite, avec du translucide, de l'easing, des encres pinata, des paillettes et c'est tout, j'ai fait ces petites boucles d'oreilles là. J'ai mélangé tout. L'easing, oui, les pinata, les paillettes, voilà. Je fais un petit remix de tout ça, puis ça m'a donné des petites boucles d'oreilles comme ça que j'aime bien. Ensuite, pour ces deux-là, je me suis inspirée du tuto de Marion, de Fancy Puppet, pour faire l'effet céramique. Mais bah, encore une fois, c'est un flop pour ma part parce que j'ai voulu leur donner un côté bombé, sauf que du coup, bah, la fimo liquide elle a tout de. Je les avais posés sur un support pour les bomber et du coup, bah, la fimo liquide elle a la cuisson, elle a tout de. Mais bon, j'aime bien quand même, hein, mais ça aurait été mieux si ça avait pas dégouliné quoi. Donc la prochaine fois, faudrait que je le fasse sur un support plat. C'est mieux. Mais bon, j'aime bien quand même. Ça va. Je m'attendais au pire. Enfin, je m'attendais pas à ça de toute façon. Ensuite, pour celui-là, j'ai voulu faire... Bah, c'est encore avec la planche de Steel Screen, ethnique, et des encres pignata. Voilà. Et puis, en dessous, j'ai mis plein de petites feuilles, différentes feuilles. Je l'aime beaucoup. Il est des couleurs très vitaminées, acidulées. Moi, j'adore. C'est... Pour le printemps, c'est nickel, quoi. Ensuite, une autre parure que... Alors là, c'est... Parti en vrille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, oui, je sais. J'ai ma fille qui est en train de jouer au puzzle. Au puzzle, parce qu'il y en a qui appellent des puzzles. Moi, je dis des puzzles, mais bon, après, chacun appelle ça comme il veut. Et du coup, j'ai fait ce petit collier-là, en forme de puzzle. Donc là, j'ai mélangé la technique du Mika Shift et de l'Hidden Magic. Et au milieu, j'ai fait un petit dégradé, tout simplement, avec les couleurs que j'avais utilisées. Et du coup, pour aller avec, il y a aussi la petite bague. Par contre, c'est pas une bague puzzle, malheureusement. J'aurais dû faire un bague puzzle, n'empêche. Hein. Et puis, il y a une petite boucle d'oreille en puzzle aussi. J'ai tout réussi, voilà. C'est ma fille qui m'a donné l'idée. Quand je l'ai vu faire des puzzles, je me suis dit, oh tiens, c'est pas très rigolo ça. Et pour terminer, ça faisait. En fait, j'ai retrouvé le mien complètement cassé et du coup, j'ai voulu le refaire. C'est le petit Stitch du Disney. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il a un strabisme. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de figurine, donc forcément il n'est pas parfait, mais je suis quand même contente. Les prochains ne pourront que être mieux, je pense, j'espère. Mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, là, je suis quand même contente. Même s'il est un peu... il est biscornu, il a un strabisme, je l'aime bien quand même. Bon, malheureusement, on peut pas le porter en bijou, parce que les oreilles, à chaque fois, elles cassent. C'est ça le souci. Donc bah, du coup, là, pour l'instant, c'est juste une petite figurine à collectionner, quoi. Donc voilà, ouais. J'en ai fini avec cette vidéo qui, encore une fois, a été bien plus longue que prévu. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on me connaît maintenant, je crois.
Si jamais vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me les demander, il n'y a pas de soucis, je vous les ferai. Je suis très longue à la détente, mais je vais finir par les faire. Là, je suis. En plus, j'ai carrément abandonné la chaîne des tutos, faut vraiment que je la reprenne en main parce que là, c'est plus possible. Hein. Je suis vraiment à la ramasse. Là, là, j'ai quelques idées, donc faut que j'arrive à les faire. On s'en fout. Enfin, ouais, voilà. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le dire, je vous les ferai avec plaisir. Et puis, bah voilà. C'est tout. Je crois, hein, j'ai fait le tour, j'espère. J'ai dû oublier des choses encore, mais bon, tant pis, hein, ça sera pour la prochaine vidéo, blabla. Bon bref, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.